Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une morning routine de Yoga Mudra. On va pouvoir commencer cette séance en étant assis en tailleur. Vous pouvez poser les mains sur les genoux et vous pouvez venir joindre le pouce et l'index ensemble et garder les autres doigts tendus et détendus. Et on va venir tout doucement commencer à inspirer, expirer profondément. Prenez ici quelques minutes pour vous. Prenez le temps de vous réveiller en douceur, de vous reconnecter à votre corps, à votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir fermer les yeux. Prenez le temps d'inspirer profondément par le nez et d'expirer profondément par le nez. Relâchez tout votre corps, essayez d'être le plus détendu et relâché possible. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on peut venir ouvrir les yeux. Et on va pouvoir débuter cette séance en venant frotter tout doucement les mains pour venir les réchauffer, venir les mettre en contact. On va venir tout doucement activer les points d'énergie de nos mains. Sentez la chaleur qui se crée à l'intérieur de vos mains et continuez toujours d'inspirer et d'expirer profondément. Et on va pouvoir continuer dans la continuité d'activer les points d'énergie, commencer à taper dans ses mains pour venir vraiment réveiller vos mains. Venez taper dans vos mains comme si vous applaudissiez. Et continuez toujours d'inspirer et d'expirer profondément. Prenez le temps de bien mettre en contact vos deux mains ensemble pour bien activer tous les points d'énergie de vos mains, de vos doigts, de chaque partie de vos mains. Et prenez toujours ce temps d'inspirer profondément par le nez et d'expirer profondément par le nez également. Et on va pouvoir venir expirer, relâcher les mains sur les genoux. Venez prendre à nouveau quelques secondes pour inspirer, expirer profondément. Relâchez bien tout votre corps, relâchez vos épaules. Essayez d'être le plus détendu et relâché possible. Vous pouvez encore une fois venir fermer les yeux si vous êtes plus à l'aise, si ça vous permet de vous reconnecter un petit peu plus à votre corps. Sentez l'énergie qui se diffuse à l'intérieur de votre corps après avoir applaudi avec vos mains. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on va pouvoir venir placer la main droite sur la poitrine à gauche. On place sa main droite au niveau du cœur. Et on vient encore une fois continuer d'inspirer et d'expirer profondément. On essaye vraiment ce matin de se reconnecter à sa respiration, se reconnecter à tout son corps. Vous pouvez venir
Encore une fois, fermez les yeux. Adaptez votre pratique en fonction de vos besoins, de vos envies. Si le fait de fermer les yeux vous permet d'être plus conscient et de ressentir mieux l'énergie qui se diffuse à l'intérieur de votre corps, allez-y. Et vous pouvez, au bout de quelques respirations, venir joindre à nouveau le pouce et l'index ensemble et laisser les autres doigts tendus et détendus sur votre poitrine. Venez amener un petit point de pression entre vos deux doigts, venez les presser l'un contre l'autre pour venir activer tous vos points d'énergie. Prenez le temps pour vous de vous reconnecter complètement et entièrement à votre corps, à votre esprit, à votre respiration. Et tout doucement, à la prochaine expiration, relâchez vos mains. Posez-les à nouveau sur les genoux. Prenez encore une fois quelques respirations durant ces quelques secondes. Et on va pouvoir à nouveau continuer cette séance de mudra yoga. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on va pouvoir continuer cette séance de mudra yoga. On va poser le bras droit sur le genou droit, on va amener la paume de main vers le ciel et on la laisse ici. Et tout doucement, on va pouvoir venir placer la main gauche sur la main droite. On va venir essayer de faire comme si on tenait un petit trésor entre ses mains. On laisse un espace entre les deux mains. Et on reste ici, on laisse le bras droit reposer sur le genou droit. Et on reste ici à nouveau pour quelques respirations. Et encore une fois, si vous le souhaitez, venez fermer vos yeux et prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Venez tout simplement toucher le bout de vos doigts sur vos mains et restez ici, tranquillement. Relâchez tout votre corps, relâchez vos épaules. Ne contractez pas vos épaules, relâchez vraiment tout votre corps. Essayez d'être le plus détendu et relâché possible dans cette pratique. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on va pouvoir venir joindre les mains ensemble devant la poitrine. Et restez encore une fois ici pour quelques respirations. Venez presser vos mains l'une contre l'autre. Activez tous les points d'énergie. Pressez bien vos doigts ensemble, toute la paume de vos mains ensemble. Et comme toujours, essayez d'être le plus détendu et relâché possible.
Et si vous voulez, vous pouvez venir relâcher un petit peu les jambes si la posture assise en tailleur est inconfortable pour vous. Installez-vous vraiment dans une posture qui vous permet d'être le plus à l'aise possible, d'être le plus détendu et relâché possible. Et tout doucement, à la prochaine expiration, si vous aviez les yeux fermés, venez les ouvrir tout doucement et relâchez vos mains. Et donc, venez à nouveau vous asseoir en tailleur. Prenez le temps à nouveau ici de prendre quelques respirations à votre rythme en inspirant et en expirant profondément. Relâchez les bras le long du corps, relâchez bien vos épaules, votre dos. Essayez d'être le plus détendu et relâché possible. Inspirez profondément par le nez. Et expirez profondément par le nez également. Et on va venir enchaîner plusieurs mudras yoga en respectant le rythme de sa respiration, les inspire et les expire. Donc si je vais peut-être un petit peu trop vite pour vous, adaptez, prenez le temps qu'il vous faut. On va pouvoir venir prendre une grande inspiration par le nez et à l'inspiration, on va venir lever les bras de chaque côté du corps. Paume de main vers le sol. Et j'expire, je viens ouvrir les paumes de main vers le ciel. Ouvrez-vous. J'expire, j'amène les mains jointes au-dessus de la tête, comme ceci. Et je reste ici pour quelques respirations. Et j'expire à nouveau, je descends les mains jointes devant la poitrine. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Et j'inspire, je tends les mains devant moi. J'expire, je viens ouvrir les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Et j'expire à nouveau, je ramène les mains devant moi. Et j'inspire, je ramène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, je garde les mains jointes. Bien serré. Et j'expire à nouveau. J'ouvre les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Et j'inspire, je tourne mes paumes de main vers le sol. Et j'expire à nouveau, je relâche les mains sur le tapis. Et vous pouvez venir ici en relâchant les mains sur votre tapis, venir joindre votre pouce avec l'auriculaire et l'annulaire. Et restez ici, le majeur et l'index tendus. Restez ici, soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous pouvez venir les poser sur les genoux. Faites la posture qui vous convient le mieux. Mettez une légère pression entre vos doigts qui se touchent pour venir activer tous les points d'énergie de votre corps. Et restez ici à nouveau pour quelques respirations à votre rythme. Inspirez, expirez profondément. Soyez pleinement présent et conscient de votre respiration.
Namasté. Merci et bonne journée.